King & Co, c'est une association de l'Indie Hop. C'est la première association de l'Indie Hop sur Bordeaux. Ça fait plus de 20 ans qu'elle existe. Pour apprendre le Lindy Hop, il n'y a besoin d'aucune base. C'est une danse de couple. Les cours débutants sont faits pour les gens qui n'ont jamais dansé, donc on part de zéro, on apprend toutes les bases, on y va progressivement. Ce qu'il faut savoir pour le Lindy Hop, c'est que c'est une danse de couple qui est l'ancêtre du rock'n'roll. Si on a des bases en rock, c'est d'autant plus facile de se lancer, mais dans tous les cas, les cours débutants sont faits pour les gens qui n'ont jamais dansé, il n'y a pas de souci avec ça. Toutes les danseuses, elles ont débuté à la même période des années 20-30 et après elles ont débuté dans des communautés différentes. Donc le Lindy Hop, c'était la communauté noire de Harlem et le Balboa, par exemple, c'était de l'autre côté sur la côte ouest des États-Unis. À une époque où il y avait toute la ségrégation, c'était pas une époque facile pour eux, donc je pense que ça faisait vraiment partie d'un exutoire pour eux. Du coup, c'est vraiment une danse qui permettait de faire la fête, de changer les idées. Et généralement, à chaque fois qu'on danse du Lindy Hop, bah, on a la patate après, quoi. Donc on est vraiment de bonne humeur. Ce qui me plaît, c'est le fait vraiment de partager une activité en couple et la danse aussi, j'ai toujours aimé ça. Donc vraiment, c'est un plaisir de pouvoir danser. Et puis surtout, socialement parlant, c'est intéressant puisqu'il y a des soirées. Donc ça permet de sortir, d'aller boire un coup avec des amis et donc c'est sympa. Voilà. Chez Tapsu, nous organisons des stages ainsi que des soirées. L'idée des soirées, c'est de recréer un peu l'ambiance qu'il y avait à l'époque. Le Lindy Hop était une danse sociale. L'objectif, c'était vraiment de rencontrer des gens. Tout le monde danse en fait entre eux, débutants, intermédiaires. Il n'y a pas de niveau. Là, c'est vraiment le moment de pratiquer et d'échanger ensemble. Quoi. Et le but, c'est vraiment de s'amuser. Quoi. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est vraiment accessible à tous, même si vous n'avez jamais dansé. Je vous incite à venir essayer et tester les cours avec nous pour partager, danser. Le lindy, le swing en général, c'est une musique qui est gay et c'est ce qu'on aime partager.